Hello les jolis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver chez Noz. On est à l'Ampère Time aujourd'hui. Allez, je m'aventure ici en aléatoire, j'aime bien. J'ai été attirée par ça. Je crois que c'est un purificateur d'air qui est de la marque Electrolux. Ouais, c'est ça. Il est assez design, il est à 70€. Alors, en termes de technicité, on est sur du 24 décibels et c'est OK pour une pièce jusqu'à 25 mètres carrés. On passe du coq à l'âne comme d'hab, on aime bien ici chez Noz. On a des lots d'ampoules si vous en avez l'utilité, c'est la marque Engie. Ce sont des ampoules LED, elles sont à 4€, c'est 5 x 9 watts, équivalent 60. Et on est sur de la douille E27. Ça me semble être un bon prix, ça, 4€ les 5. J'avais profité pour envoyer un petit message à mon mari pour savoir s'il en avait besoin. Il me semblait qu'il en avait besoin d'ampoules. On a ici ceci, je ne sais pas du tout à quoi ça sert. Ça coûte 2,50€. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Ah, ce sont des jouets pour la dentition. Maintenant, ça me parle. Je crois qu'on en avait déjà vu. Bah, 2,50€. C'est vrai que ce sont des formes assez originales. Par contre, ça me semble petit. Vous savez, pour la prise en main. De ce côté, on a des couvercles extensibles en silicone. Ils sont à 2,75€ les 3. Parfait pour couvrir les fruits, les saladiers, les tasses. Est-ce qu'on a une indication sur les diamètres? C'est juste là, 14, 16 et 21. Et c'est extensible, bien sûr. Là, on a encore des anneaux de dentition à 50 centimes. On a des petits ciseaux pour enfants à 50 centimes aussi. Et à côté, on a des cuillères à 75. Pour continuer hein, sur la puriculture, on a des boîtes à tétines comme ceci à 2€. Vous avez différentes couleurs. Vous avez aussi les petites tétines de remplacement à 1€ les deux. On a les tours de lait ici. Je ne sais pas comment vous appelez ça. Ah, c'est pas mal ça. Il y en a chez Action en ce moment. Là, c'est 2€ et on a 5 doses. Je crois que chez Action, c'est 3 doses, il me semble. On a des petits billes comme ça à 4€. Il y a différentes couleurs. Alors juste, donc c'est sans matière toxique hein, pour les enfants. On est sur du 270 ml. Et on a aussi la version comme ça pour l'eau, par exemple, à 4€. Là, on est sur du 150 ml. Et pour finir avec l'arrivage bébé, on a aussi des sucettes par 2 à 2,50. La marque Suavinex. On a celle-là aussi, 1,50. Allez, je passe encore une fois du coq à l'âne. On a ici des petits coussins de sol. Ils sont à 7€. On a une partie en jute, le reste est en coton blanc. En même temps que je vous parle, je me dis, mais comment on nettoie ça? Ça va être l'enfer. Je me pose toujours la question du nettoyage, je ne sais pas pour vous. D'ailleurs, juste à côté, on a un petit panneau moins 50. Je ne sais pas si c'est compris dedans ou non. En tout cas, on a au-dessus de grands matelas comme ça pour les animaux qui font 50 par 70. Ils sont à 12€. Non, ils doivent faire plus grand d'ailleurs. Ça doit être plus que 50 par 70, mais c'est pas précisé. C'est 80 par 60. Et ça, je me demande si c'est pas la marque de chez Animalis Aimé. Ils sont pas mal, hein. Ils sont antidérapants en dessous. Donc 12 moins 50. Par ici, rien à voir. Ce sont des balles en mousse. 3€ les 3. On a des 5 et des 7 cm de... Non. Des 7 et des 9 de diamètre. Excusez-moi, hein, je suis un peu à côté de mes pompes en ce moment. Vous savez que j'ai déménagé, pour celles qui ne savent pas. C'est éprouvant physiquement. Ah, c'est l'horreur, c'est mon 10e déménagement, j'ai du mal avec ça. C'est un peu ma bête noire. Allez, je continue. 7,50, les 8 prises. On est sur un cordon d'alim d'1,50 m. Il y a de quoi faire. Et ce qui est bien, c'est qu'on a un bouton de commande ici. C'est pas mal, c'est pas cher ça d'ailleurs. Et bien balèze. Ici, pour celles qui aiment tout ce qui est loisirs créatifs, on a un jeu de construction. Alors, c'est balèze, hein. C'est 20€, 4580 pièces et ils disent que c'est pour les 14 ans et plus. Ah tiens, il y a un petit Jack Russell ici. Il est moins cher celui-là. Il est à 13. Le panda est plus cher. Mais il y a moins de pièces aussi, 1720. C'est pour ça, je pense. Par ici, on a plein d'accessoires cuisine. On a des ciseaux à 5€. Ciseaux assez techniques. On a ici des grands couteaux à pain. Ils sont à 1,50, ça va, c'est pas très cher. Je sais pas si vous connaissez la marque. San Ignacio. Ça doit être des petits moules à chocolat, non? Par 6. Ils sont à 1€. Il y en a différentes formes, notamment pour Pâques, comme ça. Ça, ce sont des liens en plastique. Ils sont à 4€.
Il y en a, je vais préciser, il doit y avoir une centaine là-dedans. Je ne sais pas préciser, même plus que 100. Briquet à gaz rechargeable, 88 centimes. Et je ne vous ai pas montré, il y a aussi des écumoires comme ça, 1,50€. Voilà, plein de petites choses à venir fouiller. Pour celles qui aiment fouiller, c'est un peu l'ADN de chez Noz d'ailleurs. 1,50€. Allez, je m'approche du fond du magasin. On a, je ne sais pas trop ce que c'est en fait. Si c'est un vase, pour les chambres d'enfants, c'est sûr. Ça coûte 6,50€. C'est juste un pot, ça me semble. Ça fait pas panier. Bon. 7€ le grand, 6,50€ le petit. Vous voyez, c'est l'épaisseur qui me fait dire que c'est pas trop fait pour ranger des choses dedans. L'étoile Diamond Painting, on est à 4€. C'est du 30 par 30. Et j'arrive par ici, on est sur l'animalerie, on a des croquettes chiens à 4€, il y a 1,4 kg. Un complément alimentaire pour chiens, enfin croquettes tout simplement. Je vais voir si on a l'équivalence chat, non, ça a l'air d'être que pour les chiens. On a autre chose ici, ça c'est pour les chiens aussi, à base de poulet et de bœuf à 7€. C'est cette marque, ça me semble pas être français hein. Si vous avez une envie de chips, écoutez, il y a ce qu'il faut ici. La grosse tour de chips, ce sont des chips barbecue. Vous avez deux conditionnements, 135 grammes à 92 centimes et 250 grammes à 1,80€. D'ailleurs, tiens, on va faire un petit tour dans les congélos. Ça fait un bail que je ne suis pas venue chez Noz, j'étais en train de me dire. Ça fait très longtemps, 2 semaines, au moins 3 semaines. Allez, ici, on a de la ciboulette hachée, 75 centimes les 75 grammes. On a là des boulettes de bœuf. J'ai pas le prix. Ça, ce sont des mini merguez à 4€ le kilo d'Inde mouton. Mais elles sont vraiment petites. Hein. Désolée, je n'ouvre pas les congélos parce que j'évite de briser la chaîne du froid. Pour les véganes, on a ici des petites bouchées véganes à base de légumes. Et c'est 2€. Non, ça ne semble pas être le bon prix. Je suis en galère de prix là. C'est 1 kilo, mais je le trouve pas. Bon, bah tant pis. Dommage. La petite poêlée méditerranéenne que vous voyez là, c'est fin jus, c'est 1,20€ et on est sur 450 grammes. Bon, une petite nouveauté au niveau des croissants, c'est des fromages, des croissants et fromages Gouda. C'est 6,50€ les 3 kilos. Bon, moi j'avais fait l'expérience des croissants, j'étais pas fan. Pourtant, je vois plein de gens sur les réseaux qui sont à fond. Bon, peut-être que j'ai pas su les faire cuire. J'ai tout essayé, hein, les décongeler la veille, basse température, et en fait à chaque fois c'était pas terrible à l'intérieur. On a ici des mini pizzas, et vous me croyez ou pas, je n'ai pas le prix. C'est un complot, écoutez, c'est 3 mini pizzas. Ah bah c'est jambon au fromage, je croyais que c'était végétarien, pas du tout. Ce que vous avez ici c'est des bouchées au fromage, donc à faire frire au préalable, hein. C'est pas très diététique, mais bon, on fait comme on veut, hein. C'est 5€ le kilo. Et là, on a des mûres. Il n'y a pas le prix. Tiens, ça m'aurait bien intéressé, là, les mûres congelées. 1 kg comme ça, non. Ils n'ont pas mis le prix. Les grandes planches, là, de macarons citron. Il y a 2 kg de macarons, 20€. Et vous avez ici, au carton, ce sont des chaussons aux pommes. Il y a presque 5 kg. On est à 15€. 4,8 kg. Bon, bah écoutez, je crois qu'on a fait le tour. Un peu déçu, je m'attendais à avoir plus de choses. N'hésitez pas à me dire comment c'est dans votre nose. Est-ce qu'il y a des choses incroyables? Est-ce que c'est propre à chez moi? Est-ce qu'il faut patienter jusqu'à demain? Je vous fais plein de bisous. Je vous dis à bientôt les jolis bails.